Et comprendre quelque chose au football. Lors de sa dernière sortie à domicile, Mulhouse avait été humilié par Nice, 6 buts à 1 devant 600 personnes à peine. Cette fois devant 6000 spectateurs, le scénario était diamétralement opposé. C'est le jeune Johansen qui ouvre le score après 16 minutes de jeu seulement, 1-0 pour Mulhouse. Bordeaux va faire illusion pendant quelques minutes. À la demi-heure de jeu, sur ce long dégagement de Gaëtan Huard, Fernier offre un bon ballon à Dugarry. Une frappe terrible, Mihailov, le gardien bulgare du FC Mulhouse, est battu, un but partout. Mais les Girondins ont à peine le temps de se réjouir que Horace centre pour Subiat, but somptueux du Brésilien, 2 buts à 1 pour les Alsaciens. En seconde période, Bordeaux explose, Johansen fait mumus sur le côté droit, il centre pour le bulgare Gordiev, Gaëtan Huard n'est pas très heureux, 3 buts à 1. C'est la première fois cette saison que les Bordelais encaissent plus de 2 buts dans une rencontre. Et ce n'est pas fini, la défense bordelaise est totalement absente sur ce long dégagement de Mihailov. Stéphane s'en va tranquillement battre Huard pour la 4e fois. 77e minute, Gordiev est accroché dans la surface de réparation. Pénalty, regardez la réaction de Gaëtan Huard. Ce pénalty, il le sent plutôt bien. Et en effet, il va repousser la tentative mulhousienne. Mais le talent du gardien bordelais ne suffira pas à combler l'indigence de sa défense. Il encaissera un 5e but à la 89e minute, encore par Nestor Subia. Les Mulhousiens ont peut-être rendu service à leurs frères ennemis strasbourgeois. Gernot Rohr, en tout cas, n'est pas vraiment content. Moi, je dirais que tout d'abord...